Bonjour, je vais vous expliquer comment faire un origami en forme de bateau. Alors c'est très simple, on prend une feuille A4. Tout d'abord, on commence par la plier en deux, comme ceci. Très important de bien appuyer sur les pliures. Ensuite, on obtient ceci. On replie dans le même sens. Fais attention que ça soit bien au bord. Pareil, on appuie bien sur les pliures. Donc ce pliage, il va servir juste à obtenir en fait le milieu de la feuille, afin pour nous aider à plier le premier angle dans ce sens. Hop. Pareil, on n'hésite pas d'appuyer. Et on vient ramener le deuxième angle dans ce sens. Ok, donc on obtient ceci. Une fois ceci est fait, on vient rabattre ici. On a deux ouvertures, enfin on a une seule ouverture avec deux bouts de papier. Donc on prend le premier bout, on le replie de cette manière. On appuie bien sur les pliures. On retourne et là on vient plier le deuxième côté. Hop, et là on obtient ceci. Ensuite, on vient ouvrir d'en bas. On vient ouvrir d'en bas et ici on vient tout simplement rentrer une feuille en dessous de l'autre. Comme ceci. Et là, on n'hésite pas d'appuyer pour avoir des belles arêtes. Ok, on obtient ceci. Une fois que c'est fait, on prend la première moitié du carré et on la replie comme ceci afin d'avoir un triangle. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, c'était comme ça. On retourne le document et on vient plier le deuxième côté. Et on obtient ceci. Une fois cela est fait, on vient en dessous et on vient tout simplement l'ouvrir. En fait, on vient l'ouvrir avec les deux pouces en tenant ici et on l'ouvre comme ceci. Donc là, on va obtenir un carré. Et avec ces deux parties, on vient les faire glisser sur les deux côtés, comme ceci. Et là, il faut essayer de jouer un peu avec ça pour faire en sorte d'avoir le bateau. Et on n'hésite pas de venir appuyer un peu sur les côtés. Pas trop au milieu, mais plus sur les extrémités pour avoir la forme. Et là, on vient tout simplement l'ouvrir un petit peu pour qu'il puisse tenir. Et voici.